Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons visiter le village de Sorano. Alors Sorano, c'est un magnifique village. Hein. Dès qu'on arrive, quand on le voit de loin, il est un petit peu gris, noir, mais à l'intérieur, les bâtiments sont juste magnifiques. C'est un village vraiment que je conseille, que nous conseillons de visiter. On va s'arrêter à Pitigliano et au lac de Bolsena où nous y passons, on va y manger, mais aussi on va s'y baigner. Donc là, vous aurez pas d'image, hein, évidemment, puisqu'on sera dans l'eau, mais vous aurez des images du lac. Et vraiment, bon, on a passé un très très bon moment. Et sur la route, on va s'arrêter parce qu'on a vu une pancarte d'un village qui s'appelle Vitorciano. Je ne connaissais absolument pas dans mes recherches que j'avais faites, on n'en parlait pas. Et pourtant, c'est un village visiblement qui est très connu dans la région. Et pour cause, il est vraiment magnifique aussi. Donc plus tard, on va l'appeler le village aux escaliers parce qu'il y a énormément d'escaliers. Vous le verrez par les vidéos que nous allons vous montrer. Voilà, et puis on va finir donc la soirée à Casal Monastero, où nous avons loué un hôtel, pour se rapprocher de Rome, car le jour 7, nous allons visiter Rome. Voilà, à tout à l'heure. Donc là, on est sur le plat pays. Je pense qu'on va se rapprocher des montagnes que l'on voit là au loin, enfin, les montagnes. Ça sent la fumée de cheminée, ça sent la bouffe, ça sent la totale. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les odeurs en vidéo. On pense que c'est les oubliettes oubliées. Attention, les âmes des défunts vont monter d'outre-tombe. Oh, oh, oh. De Pitigliano pour la deuxième visite de la journée. Thank you.
Et bonjour à la caméra. Bonjour caméra. Ne pas confondre avec une caméra, parce qu'une caméra c'est une chambre. Une caméra c'est une caméra. Voilà, après ça, voilà ce que ça donne. Et il est fier de lui en plus. Ah, regardez, un Italien fier de lui. Voilà. Et il est fier de moi. Voilà, petit repas à côté du porc. T'as des escaliers partout.